est la particularité du baudet du Poitou? Eh ben c'est pas compliqué, c'est un âne avec deux dents de cheval, voilà. Je peux vous dire, ils sont adorables. Oui, ils sont adorables. Et puis alors, pour siroter, c'est très pratique. Véritable emblème de la région poitevine, le baudet du Poitou serait la plus ancienne race d'âne. Originaire d'Afrique du Nord-Ouest, il serait apparu en France dès le 10e siècle. Physiquement, il s'agit d'un âne de grande taille, avec une forte ossature, mais sa particularité reste ses dreadlocks. Et oui, le baudet du Poitou est un âne rasta. Sa sélection s'est faite au cours des siècles dans une optique unique de production de mulets, activité très lucrative pour la région jusqu'au milieu du XXe siècle. Pourtant, ce baudet du Poitou a bien failli disparaître. À la fin des années 70, on en comptait moins de 50 dans le monde. C'est presque plus rare que les Yétis, dis donc, hein ? Pour éviter sa disparition, dès 1979, on décida alors de croiser le baudet du Poitou avec des ânesses portugaises de grande taille. À chaque génération obtenue, la jeune femelle était saillie par un baudet du Poitou de pure race. Résultat, au bout de 7 générations, on reconstitua un baudet à 99,2% du Poitou. Voilà donc comment on a sauvé le Bob Marley poitevin. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, eh bien, n'oubliez pas de me poser vos questions à l'adresse ci-dessous. Allez, ciao !